Tonton, bien. Parfait. Oh, tu es rentré. Tontine, je suis vraiment, vraiment désolée, hein? Ne sois pas en colère, hein? Très bientôt, les choses vont s'arranger. C'est bon, ça va. Va juste à la cuisine et prépare de l'eau quoi pour mon mari, ok? Ça va aller. D'accord, Tontine. Bonjour, monsieur. Ah, comment ça va? Je vais bien, bien monsieur. Ok, allez chez mon assistante. Dites-lui de vous donner ses bulletins et qu'elle se rassure qu'elle les a cachetés. Et vous, distribuez-les entre les autres élèves. D'accord, monsieur. Merci. Monsieur, tout va bien? Ouais, je vais bien. Monsieur, votre repas est prêt. Qui l'a cuisiné? Votre femme. Amène ça loin, je n'ai pas faim. Monsieur, c'est votre plat préféré. Je dis, amène ça loin, je n'ai pas faim. Mais monsieur, prenez-en juste un peu. Chidalo, merci, je n'ai pas faim, amène ça loin. Tu veux m'empoisonner. Mon chéri. Ton silence est assourdissant. Me pardonneras-tu un jour? Jusqu'à quand me garderas-tu rancune? Rancune, tu dis? Très drôle. Je suis désolée. Je sais que j'étais vraiment déçue de la plus ignoble des façons. En fait, tu ne m'as pas du tout déçue. Tu as déçu Dieu. Et la raison pour laquelle je continue à te garder encore ici avec tous tes effets, je n'en sais foutre rien. Mais je te promets une chose, Udora, Virginia et Benjim, que tu ne t'en tireras pas bon compte. Mon époux, pardonne-moi. Je suis tellement désolée. Mon mari, je suis désolée. Je sais que j'étais énormément déçue dans ce mariage. Mais par pitié, trouve la force dans ton cœur de me pardonner. Je suis désolée, je regrette mes actes. S'il te plaît. Tu t'es privée de la gloire de Dieu. Je ne sais même plus comment te qualifier. Une femme de mauvaise vie ou une femme stérile. Regarde-toi.
Je devrais être préoccupé et dérangé par ton incapacité à avoir un enfant. Mais au lieu de cela, tu as une relation dans notre maison. Regarde-toi. Tu as laissé ta servante tomber enceinte d'un homme qu'elle ne connaît même pas. Quel genre de femme est-ce que tu es? Je ne suis pas stérile. Le fait que Dieu ait choisi de ne pas me bénir avec mon propre enfant ne fait pas de moi une femme stérile. Je suis désolée. C'est Dieu qui donne des enfants, pas moi. Mais pour ce que j'ai eu à te faire, je suis désolée. Pitié. Pardonne-moi. Tu es une femme stérile. Une femme stérile. Tu n'es pas digne d'être appelée une épouse. Ta famille aura de mes nouvelles très bientôt. Et ça, c'est une promesse. Lâche-moi. Est-il toujours aussi froid envers toi? S'il est froid. Oui. Son silence de ces derniers jours est assourdissant. En fait, je l'entends comme le tonnerre. J'aime mon mari. Je ne veux pas le perdre à cause de mon infidélité. Je veux juste que... qu'il s'ouvre à moi et qu'il me dise ce qui lui passe par la tête. Écoute, je ne veux en aucune manière te juger ou quoi que ce soit. Mais pourquoi l'as-tu fait premièrement? Mon ami, je ne sais pas. Honnêtement, je l'ignore, je ne peux l'expliquer. C'est que je me suis juste retrouvée dans cette situation. C'est la tentation, je ne sais pas. Je me sens tellement sale maintenant. C'est vraiment triste. Mais pourquoi, Anémé, te fait-il le coup du silence? S'il est un vrai mal et refuse de pardonner, il devrait divorcer de toi et te libérer de cette misère. Et arrêter de te punir de cette façon. Divorcer, moi? Est-ce vraiment ce que tu souhaites pour moi, mon ami Feniwa? Je ne veux pas divorcer. S'il te plaît, le divorce n'est pas une bonne chose. Ah ah! Sais-tu ce qui va m'arriver? Je ne lui ai même pas donné d'enfant après 14 ans de mariage. Et maintenant, s'il divorce de moi, comment marcherai-je désormais? Toutes les sages-femmes et tout le monde passera tout leur temps à se moquer de moi. Je ne veux pas ça, s'il te plaît. Tout ce que j'attends de toi, c'est la prière. Prie pour mon mariage. S'il te plaît, je ne veux pas divorcer. Ne parle même pas de ça. C'est bon. Une chose est sûre, c'est que le Dieu que nous servons te viendra en aide. Hmm? Ma chère, ton ventre te fait-il toujours mal? Oui, tontine. Très mal? Oui, tontine. Je n'ai même pas pu dormir la nuit dernière. C'est bon. Bien. Les maux de crampes et d'estomac sont très courants pendant la grossesse. Il n'y a presque rien qu'on puisse y faire. Donc, il faut vraiment que tu t'y fasses et supportes, ok? D'accord, tontine. C'est à cause de l'élargissement de ton corps. Ton utérus s'élargit, tes ligaments s'étirent et tes hormones vont dans tous les sens. Donc, reste juste tranquille et supporte, ok? Mais ne t'inquiète pas, à mon retour du travail, je t'apporterai des médicaments. Ça va aller, ok? Merci infiniment, tontine. J'espère que tu bois beaucoup d'eau. Oui, tontine. Ok, fais-le de façon assidue. Mais aussi. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse abondamment. Tontine. Qu'est-ce qu'il y a? Tontine. Je suis vraiment désolée pour tout. Je regrette toutes mes actions. Mais je vous promets que cela n'arrivera plus jamais. Tontine. Si vous et votre mari me chassez de cette maison, que j'appelle mon paradis, je n'aurai nulle part où aller. Je n'ai personne. Tantine, je n'ai aucune famille. Pas de père, pas de mère, pas de frère, pas d'oncle. La seule tante que j'ai, elle est Mariabou.
Et elle est vraiment très malade. Elle est alitée. Tante, je n'ai personne dans cette vie. C'est bon. Je ne compte pas te chasser d'ici. D'accord. Tu fais partie de la famille. On prendra soin de toi. Ne compte pas. Ne pleure pas. Je ne peux supporter les pleurs maintenant. Ne pleure pas, hein? Je t'apporterai des remèdes à mon retour. D'accord. Merci, Tantine. Assure-toi de te reposer. Que Dieu te bénisse. S'il te plaît, arrête. Ici, Oma. Sérieusement. J'ai vraiment honte de moi. Ma chère amie, je sais ce que cela signifie de tomber enceinte hors mariage. En plus, en tant que servante dans la maison d'autrui. Je connais la pression et la honte qui accompagnent cela. Mais crois-moi, Chidale, quand je te dis que tu es une fille chanceuse, tu es vraiment très chanceuse. Ton patron t'aime. Sinon, crois-moi, ils t'auront mis à la porte. S'il te plaît, ne pleure plus. S'il te plaît. Arrête. Je t'en prie, arrête. Écoute, ici dans cette maison, personne ne va avoir de charge. Encore moins des responsabilités. Surtout quand il n'y a pas de lien de parenté. Tu sais, moi j'aimerais être à ta place. Sérieusement. S'il te plaît, ma chérie, arrête de... Je dois commencer à m'en aller parce que bientôt les enfants de ma patronne vont rentrer de l'école. Je dois également aller écraser du haricot pour le moimoui. S'il te plaît, ne pleure plus, je t'en apporterai un peu. Ok? Ne pleure plus. Merci. Ressaisis-toi. D'accord? Merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. Merci. Il n'y a pas de quoi. N'oublie pas que tu es mon ami. Ne t'inquiète pas, je vais t'apporter du moimoui. Il faut que j'aille m'occuper de ces enfants. Et s'il te plaît, ne pleure plus. Et fais un effort, arrête de pleurer. Je reviens. Pourquoi ne lui as-tu pas permis de goûter au joie de la maternité? Pourquoi avoir pris cette innocente fille? Tout à l'heure. Odora. Tu... Afin de t'en mieux, mais je sens ça ce qui est mieux. Mon mieux n'était vraiment pas assez. Mon mieux n'était pas assez. J'avais de l'espoir pour elle.
J'avais promis de l'accompagner dans tout ce que je voulais lui prouver à elle et aux autres que la vie ne s'arrête pas à avoir un enfant ou tomber enceinte hors mariage. J'ai échoué. Que vais-je faire? Que vais-je faire de son cadavre? Où vais-je l'emmener? Je ne connais même pas un seul membre de sa famille. Aucun. Tu parles comme si elle en avait. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons emmener son corps à la mort. Et qu'est-ce qu'on va faire du bébé? Non, nous allons garder l'enfant et l'élever comme le nôtre. Quoi? Qu'est-ce que tu entends par quoi? Est-ce que tu vas aussi amener un enfant vivant à la morgue comme sa défunte mère? Je ne garderai pas son bébé. Son bébé n'est pas le mien. Jamais. Tu es folle. Est-ce que tu veux être malheureuse? Je préfère emmener ce bébé à l'orphelinat au lieu de l'élever comme le mien. Elle n'est pas mon bébé. Espèce de femme stérile. Écoute les paroles qui sortent de ta bouche. Tu devrais être contente que ta vagabonde domestique soit morte en accouchant. Je ne sais même pas si c'est le moyen que Dieu a choisi de faire de toi aimer. Et même si tu l'amènes dans un orphelinat, quelqu'un d'autre viendra et va l'adopter. Alors pourquoi ne pas la garder comme une enfant? Je ne veux pas d'un enfant qui n'est pas le mien. Je ne la garderai pas. Cela importe peu. Peu importe la mère dont il est issu. C'est un miracle. Je ne veux pas d'un miracle. De mensonges, de folies, de tromperies. C'est d'accord. Tu n'es qu'une idiote. Au moins, laisse-moi pour une fois me sentir comme un père au lieu de nager dans la tromperie et la distraction. Je maintiens ma décision. Restes-tu ferme dans ta décision de garder ce bébé? Car je pense qu'elle a une tante et Mariabou. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est de lui remettre ce bébé. Essaye de faire ça. Et je vais divorcer de toi. Après tout, tu as souillé notre lit conjugal en y couchant avec un autre homme. Que cela soit la première et la dernière fois que j'ai encore à t'avertir de parler encore de ce sujet. J'irai, je le dirai à tous ceux qui veulent l'entendre et à ceux qui ne le veulent pas, qu'un homme t'a baisé sur notre lit conjugal. Je t'en prie, excuse-moi. Peux-tu supporter la honte? Odora, Virginia et Bejim, est-ce que tu peux supporter l'humiliation? Mon mari...
Ne m'appelle pas comme ça. Est-ce que tu t'es souvenu que je suis ton mari lorsque cet idiot te faisait frotter, frotta sur ce lit? Je suis désolée. Je suis désolée. Mais ce truc que tu m'obliges à faire n'est pas bien. Et si les gens demandent après elle? Quelle personne? Chidalo n'avait pas de membre de famille reconnu. On ira juste à m'avoir et dire à sa sœur qu'elle est décédée pendant qu'elle mettait au monde un enfant, c'est tout. Et qu'en diront nos voisins, nos amis et notre famille ici à Onisha? Et qui t'a dit que nous allons revenir ici à Onisha? Nous irons au village et nous allons reprendre notre vie à zéro. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes des fonctionnaires. On ne peut pas abandonner nos emplois ici. Odora Virginia Ibejim, je prends ma retraite précisément dans 3 mois. Et qu'en est-il de moi? Je suis sage femme dans un hôpital public et il me reste encore plein d'années de service. Lorsque nous irons au village, je vais généreusement ouvrir une pharmacie pour toi. Et tu pourras exercer ton métier. Et la discussion concernant cette affaire est définitivement close. Mon mari, je pense qu'on devrait l'appeler Obialonama. Non, non. Cela résonne comme un nom de consolation. Je préfère que nous l'appelions Yagazi. Yagazier. Tout ira bien. Allons, va emballer le reste des choses et on y va. J'ai presque fini. Ok. Je vais juste prendre quelques trucs. Yeah. Yeah. Yagazier. Chérie, hein? Je ne savais pas que de tels miracles arrivaient encore. Hein? Les miracles arrivent vraiment, que veux-tu dire? N'est-ce pas, Anene et sa femme? Oui, hein? Ils ont quoi? Après 16 ans de mariage, je n'aurais jamais su qu'elle pourrait concevoir et porter un enfant. Pourquoi pas? Yay! Odeke go! Il y a quelque chose par rapport à eux qui sont toujours mal chez moi. Ça ne colle pas avec moi. En quoi exactement? Et tu sais, le déménagement brusque pour le village. Ils ont soudainement déménagé pour le village, hein? Et alors? Tu sais que Anene et son épouse, c'est pas le genre de personnes qui reviendront au village juste comme ça.
On dirait qu'ils se sont enfuis de la ville. Tu ne les verras pas lors des périodes festives. Même à Noël, tu ne les verras pas. À la période de Pâques, tu ne les verras pas. Pendant toutes les périodes festives, tu ne les verras jamais au village. Je t'ai toujours dit de t'occuper de tes affaires, chérie, et de laisser les autres tranquilles. Laisse-moi t'expliquer ça. Ne l'as-tu pas bien observé, hein? N'as-tu pas regardé ses seins? On ne dirait pas les seins d'une femme qui allait. Ils sont tout plats. Même son ventre, elle ne ressemble pas à une femme qui vient d'accoucher. Hein? Je n'y comprends rien. Je te l'ai dit. Plusieurs fois de t'occuper de tes oignons et de laisser les affaires des autres tranquilles. Pourquoi ne peux-tu pas arrêter de penser à toutes ces bêtises? Tu ne cesses d'insinuer des choses et de penser négativement. Laisse-les tranquilles, laisse-les tranquilles, pitié, laisse-les tranquilles! Pour l'amour de Dieu! Chaque fois qu'on va quelque part, tu ne cesses de penser négativement. Laisse-la tranquille, laisse-la tranquille. N'est-ce pas ce que je vois que je parle maintenant? Hein? Après, ils diront que Ogechi est une commère de renom dans ce village. Mais c'est ce que je vois que je parle. Hein? Comment quelqu'un peut dire qu'elle a un enfant? Les seins sont plats. Il n'y a pas de lait maternel. Et ils disent qu'elle a un enfant. Ton enfant est joli, oh. Ah, oui, oui, ma princesse. Ah, mon bébé chéri. Mais à qui ressemble-t-elle vraiment? Ah, ah, à son père, bien sûr. À son père? Ah. Je ne vois aucune ressemblance, oh. Ne t'en fais pas, elle est encore bébé. Quand elle grandira, tu verras à qui elle ressemble. Ok, Odem. Pourquoi la nourris-tu uniquement de bouillie et de lait? Hein? Ne peux-tu pas l'allaiter? Tes seins ne coulent-ils pas? Si tes seins ne coulent pas, je t'apporterai du vin de palme. Comme ça, tu bouilleras et boiras pour que tu aies assez de lait. Ok? Pourquoi passes-tu tout ton temps à lui donner du lait et de la bouillie? Écoute, laisse-moi te dire, le lait maternel est bon pour les bébés en croissance. Ça les aide pour le fonctionnement de leur cerveau. Ogechi, est-ce qu'elle est obligée de l'allaiter? Hein? Ce ne sont pas toutes les femmes qui veulent subir le stress de sortir leur sein en public pour nourrir leur bébé. C'est pour ça qu'on lui achetait du lait. Oui, je disais juste... N'est-ce pas ça, ma chérie? Oui, mon mari. Je ne sais même pas pourquoi mon ami se plaint plus que le bébé ou mon mari que le père du bébé. Hein? Le temps que tu aurais dû passer à préparer un bon petit déjeuner à mon ami, au Dieu fort, tu es là le passé pour des visites matinales. Mon père, on n'en est pas à ce niveau. Je passais par là et je me suis dit que je pouvais m'arrêter pour voir comment se portent mon ami et le bébé. Ogechi, continue à passer. Vas-y, rentre chez toi et salue ton mari, mon ami. Bon, je vais vous laisser, mon ami. Uh-huh. À plus tard, à plus tard alors. Prends soin du bébé. J'ai compris, bye-bye. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Ah, néné, moi j'en ai déjà marre. Et de quoi, si je peux savoir? De ne pas être la mère biologique de ce bébé. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change plein de choses. Je ne ressemble même pas à une femme qui allaite, ni à une mère nourricière. Penses-tu que ces villageois ne peuvent pas lire entre les lignes? Ils ne lisent rien. C'est juste ton cerveau qui te joue des tours. Yagazier est notre bébé. J'en ai déjà marre. Amène l'enfant à l'intérieur. Ça va, mon bébé, ça va. Un aîné, mon frère. Ah, oh, tu as fait moi, Kike. Laisse-moi te saluer comme un otage. Je t'ai apporté un truc pour étancher ta soif. Tu es un homme génial. Qu'est-ce qu'on allait nous chercher de meilleur siège? Je t'appelle à ce moment. Je m'asseye. Ouais, j'arrive. Où est le bébé? Le bébé à l'intérieur. Hey,
Mia Gazier, tu dors sur tes cahiers. Oh, allons dans la chambre. Bien. Super. Ok, on a fini cela. Maintenant, identifiant ces objets. Comment appelle-t-on un lit en ibo? Comment appelle-t-on un lit en ibo? Oh, tu as oublié? C'est quoi une voiture? Non, non. Répète après moi. Non, non. Non, non. Super. Comment appelle-t-on une orange en ibo? Ça commence par O. 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 Ro. O. Oroma. Oroma. Applaudis pour toi-même. Applaudis pour toi. Applaudis Les pour enfants, toi-même. Ils grandissent très vite. Oui. Celle-ci grandit comme un bananier. Le petit bébé d'hier. Ah, je vais écrire ça pour toi. Ça te plaît d'être maman maintenant? Pourtant, tu voulais l'amener à l'orphelinat. Regarde-toi. Écris ça pour moi. Écris ça pour maman. Toute fière. Alors que bien. Tu l'as refusé au début. C'est bien. J'applaudis pour toi. Aïe, 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 c'est super. Oui. À plus. As-tu remarqué ce beau gosse qui est avec mon petit ami? Ah ah, qui est encore mon petit ami? C'est Moussou, bien sûr. Écoute, tout le monde dans ce village sait que ce gars peut tuer un lion pour toi. Pourquoi tu ne lui donnes pas une chance? S'il veut, il n'a qu'à tuer un léopard pour moi. Je ne peux pas être pour lui ce qu'il veut que je sois. Jideka, ne te méprends pas sur moi. J'apprécie Zimozo en tant que personne. Mais je ne franchirai aucune ligne. Non. Pourquoi es-tu si coincé? Hein, Yagazi? Pourquoi ne donnes-tu pas une chance à ce jeune homme? Mais je lui ai donné une chance en lui tendant une main de l'amitié. Je ne peux pas aller plus loin. Ce n'est pas ce qui me préoccupe en ce moment. Ce qui me préoccupe, c'est comment obtenir mon bac et réussir avec mention. Tu vois ma virginité, je la garde pour... Arrête ça. Nous savons tous que tu es la plus brillante de la salle de classe qui veut seulement passer son bac. Heureusement son bac. Que tu le sais. Et j'aimerais que ça reste ainsi. Toutes ces distractions avec les playboys du village, je n'en veux pas.
Attends, il y a Gazier. Qui viens-tu juste de traiter de playboy du village? Zimoza. Non, 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 ma chère amie, tu te trompes à ce niveau et très lourdement. Et qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde dans ce village sait que ce gars est un gars très bien. C'est un très bon mec. Mm. Et qui sait? Et quand nous serons arrivés à la maison, peut-être il y aura un autre cadeau. Ou un gibier qui nous attendra cette fois. Mais le gars avec lui était très beau. Vraiment très beau. Qui est ce gars? Il vient du village voisin. Oh. Oh, donc tu l'as remarqué? Ah. Tu l'as remarqué, tu faisais semblant tout ce temps. Jideka, c'est un être humain et non un rat. Hein? Pourquoi ne le verrais-je pas? Tu es très drôle. Alors tu l'as remarqué. Mais s'il te plaît, ne le remarque pas plus qu'il n'en faut. Ndideka, t'es pas sérieuse. Tu aimes trop les garçons. Que tu veux que j'aime quoi? Simouzo, c'était qui cette jolie fille qu'on a vue là? Tu sais, quand je l'ai vue, j'ai pas pu détacher mon regard d'elle. Tu ferais mieux de mettre tes yeux dans ta poche. Tu vois cette fille? Elle est déjà prise. Ah, ah, comment ça? Mais tu sais de qui je parle quand même? Bien sûr, je sais exactement de qui tu parles. Ah. Oh. Donc fais attention. Mec, cette fille est tellement belle. Sérieux, regarde la façon dont elle sourit. Comment oses-tu apprécier ma copine en ma présence? Mais c'est quoi ton problème, mec? Je t'ai dit de mettre tes yeux dans ta poche, ah, ma copine est prise. Attends, je comprends rien. C'est qui ta copine? Et de plus, comment ça se fait que tu ne me l'aies jamais dit? Non. Donc je l'ai d'abord appelé et qu'édiqué le cria pour qu'il annonce à tout le village qu'elle est ma copine, c'est ça? Mais c'est quoi ton problème? D'ailleurs, comment le saurais-tu vu que tu n'es pas de ce village? En tout cas, ça serait très déplacé. T'aurais dû me dire qu'elle te plaît aussi. Mais Simozo, écoute, cette fille est vraiment très belle. Tu vois la façon dont elle brille comme le soleil. Si tu ne m'avais pas dit que tu étais en couple avec elle, je serais allé tenter Lotana, ma chance. Lotana, 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 ôte tes yeux de ma propriété. Simozo, je ne blague pas, ôte tes yeux de ma propriété. Je t'avertis, je suis pas en train de blaguer. Je ne joue pas avec elle, je t'avertis. Prends ça au sérieux. Non, non, je t'avertis, je préfère te le dire maintenant. On peut plus blaguer avec toi. Eh, pardon, dégage, je n'aime pas ta façon de parler d'elle. J'espère que tu vas aimer ceci. C'est bien plus gros que le précédent. J'aime vraiment, mais je ne peux pas le prendre. Parce que c'est peut-être la 8e fois en un mois que tu me donnes de la viande de brousse. Yagazier, cette viande de brousse, c'est pour toi. Et en plus, je ne me plains pas. Je t'en prie, prends-le. Ok, mais au moins laisse-moi te donner de l'argent pour non, ça. Non, 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 s'il te plaît. Je n'ai pas besoin d'argent. Ça, c'est un cadeau de ma part à ton endroit. Pour quelqu'une de si spéciale. Quelqu'une qui est juste là devant moi. Crois-moi, cette viande de brousse vient du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Y'a pas de quoi. Mais dis-moi un truc. Vas-y. Pourquoi? Pourquoi tu fais tout ceci? Car je n'ai rien à t'offrir. Oh, voyons. Yagazier, je ne cherche pas une faveur. Comme je te l'ai dit, ça vient du fond de mon cœur. Merci beaucoup. De rien. Écoute, mec, aussi grosse que cette idiote, que cette fille est, je ne pouvais jamais imaginer qu'elle n'a rien dans la tête. Non, mais franchement. Mon pote, cette fille n'a aucune conscience. J'avais vu comme un frappé, comme un tam-tam. Si je n'étais même pas là, le sang serait en train de couler de sa bouche. Genre, tu regardes, tu es dégoûté, je t'assure. Tu vois ce que je veux dire? Je n'aimerais pas voir ce genre de choses. Heureusement que je suis là. Il y a que toi pour me raconter des histoires pareilles. Mais attends, j'ai une question. Quelle question? D'accord, je vais le demander. Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Pose ta question, je t'écoute. D'accord, comme tu veux que je le demande, je vais le demander. Comme si tu ne comprenais pas ce que je dis. Je suis perdu. Où est la viande de brousse? C'est ce qui m'a amené ici. Vieille histoire.
Eh bien, si tu veux savoir ce qui est arrivé à la viande de Bruce, je l'ai donnée à mon amour. Ah. Ce qu'on fait pour l'amour. Mais pourquoi? Tu pouvais même pas attendre que j'arrive chez toi. Hein? Bon, attends. C'était quoi son nom déjà? C'est encore quoi? Le nom de ton amour, non? Oh, donc tu veux que je te donne son nom pour que tu ailles dans mon dos pour me l'arracher, n'est-ce pas? L'autre m'a fait très attention. C'est pas croyable. Moi, je n'aime pas ça, mec. Zimozo, le seul problème que j'ai toujours eu avec toi, c'est que ton degré d'amour est trop élevé. Ouais, le problème, c'est je te demande le nom de la fille qui a volé le cœur de mon pote. Il y a un gros problème à ça. Il y a vraiment un énorme souci. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux connaître son nom? Oh, attends, je te pose une question. Quand tu sortais encore avec une Getty, est-ce que tu m'avais déjà permis un jour de m'approcher seulement d'elle? Encore moins toucher son très beau corps. Mais là, tu permis? Jusqu'à ce qu'un homme riche soit venu te l'arracher entre les mains. Non, dis-moi. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Quand tu t'es souvenu de moi, c'est seulement quand il fallait venir pleurer sur mes épaules. Pardon, faut me laisser. Hein. Qu'est-ce qui va pas avec toi, Simozo? Dois-tu toujours reparler de cette histoire d'un Getty? Hein? De mon côté, j'ai déjà oublié tout ce qui concerne cette fille. Je te conseille de faire pareil et de cesser de vivre dans le passé. Mon ami oublie aussi de vouloir savoir le nom de la fille avec laquelle je sors. Moi aussi, je l'ai oublié. Pourquoi tu ne voudrais pas oublier, mec? Tu insistes, pardon, pour me laisser tranquille. T'es pas un bon garçon, toi. Bah, tu es en danger. C'est toi le réel danger, mon ami. C'est toi le danger, je t'assure. Il n'y a pas de problème si t'as refusé de me donner la viande de Bruce. Mais quand même, t'as encore à manger, n'est-ce pas? À manger? Ah, eh bien... Je n'ai rien à manger à la maison, je n'ai que de l'eau. Tu veux que j'aille te chercher de l'eau? Attends, suis-je un crocodile ou quoi? Je n'en sais rien, c'est à toi de me le dire. Donc si j'accepte, tu vas entrer là-bas, dis donc, et m'apporter de l'eau. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que je vais te donner ce que je n'ai pas? Qu'est-ce que tu veux, mec? Je n'ai pas ce que tu demandes. Attends, c'est parce que je connais ta petite amie. Hein, mon frère, pourquoi tu insistes? Je n'ai rien. J'ai tout donné à mon amour. Le tonnerre te frappe. Je me tue pour la nourriture, mon frère. Papa. Assieds-toi. Je sais où je laisse. Prends. Je prends juste. Qui est ce garçon qui t'apporte toujours de la viande de Bruce? Ah, papa, tu sais. Je suis un vieux singe. Et tu ne peux pas m'apprendre à faire la grimace. Et mes yeux d'aigle sont partout. Mais papa, c'est juste un ami. J'espère que c'est tout ce qu'il est. Oui, papa. Sûr? J'en suis très sûr. Sûr? Oh, papa, sérieux, je suis sûr, rien d'autre. C'est mieux. Si tu le dis, tout ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'être concentré dans ton éducation pour que tu réussisses haut la main. Après cela, tu continueras à l'université et tu auras un bon diplôme et un homme bien viendra et il t'épousera. Merci, papa. Je garderai cela en tête. Ok. Puis-je manger mon poisson maintenant? Ok. ça a l'air délicieux. Tu l'as bien cuisiné. Maman, on a dit que je dois avoir les livres de classe pour l'examen. Et qu'en est-il du livre de mathématiques? Ah, mon professeur a dit que je dois acheter les mathématiques comparatives. Que c'est le meilleur livre parmi les autres pour le baccalauréat. Ok. Elle s'y connaît mieux, n'est-ce pas? Et t'es-tu inscrite aux sciences appliquées? Ah, non, maman. Je me suis inscrite en géographie. Et notre professeur de géographie a dit que la géographie essentielle est le meilleur livre jusqu'ici. Ok. Tes professeurs-là s'y connaissent vraiment bien. Je pense qu'ils sont mieux placés. Donc, ce qu'il te reste à faire, c'est de tout écrire. Et on achètera. Merci, maman. Je ne vais pas seulement les acheter, tu vas tous les lire. Ah, maman, fais-moi confiance, non?
Le repas est prêt. Je veux pas manger. Je veux manger plus tard. Ah, ah, papa. Papa, tu sais que ce n'est pas possible. Ok, tu sais quoi? J'attendrai que tu finisses. On va manger ensemble. Ok. Permets juste que je finisse ce calcul. Et après, okay, je te papa. Rejoins. Cher ancien, nous avons sélectionné 9 candidats. 9 personnes pour l'attribution des titres de notabilité dans ce village en septembre de l'année prochaine. Et vous savez que ces 9 personnes doivent voyager avec Igwe à Houston au Texas pour le festival annuel Igbo. Donc j'aimerais savoir, y a-t-il le nom d'une personne que nous avons oubliée? Parce que je dois remettre cette liste immédiatement au Igwe pendant le conseil. Ono, je pense qu'on a oublié Monsieur Georges Olodikwe dans l'import-export. Monsieur Georges ne remplit pas les critères pour recevoir les titres de notabilité. Il est dans la notoriété publique qui fait dans l'escroquerie et la fraude informatique. Nous ne voulons pas salir le nom de notre village, dont à cause de cela, on l'a rejeté. Une autre personne? Je pense que ce titre de notabilité devrait être donné à Emma China. C'est également une illustre fils. Qui est Emma China? Emeka Ono Soulessé, voyons. Tout le monde le connaît. Hein? C'est une grande élite de ce village. Et il envoyait la plupart de nos fils et nos jeunes en Chine. Et ils y vont et reviennent tranquillement. Sans doute. On ne peut pas contester le fait que Emma Ono Soulessé et Emma China dont tu parles aient contribué grandement à la communauté. Mais tu sais que nous avons des lois et des règles pour attribuer le titre de notabilité. Et dans la Constitution, ces règles disent que pour qu'une personne reçoive le titre de notabilité, il doit être marié. Malheureusement, Emma est encore célibataire, donc à cause de cela, on doit le rejeter. Bon, à l'absence de tout autre candidat, qui votera la motion pour l'ajournement de cette réunion? Oui? Oui. Je vous salue. Oh, Diofo. Avant de voter la motion pour l'ajournement de cette réunion, j'ai quelque chose, une suggestion à faire. Vu que l'attribution du titre de notabilité dans notre communauté est basée sur l'intégrité, et la contribution à la société, je veux dire notre communauté. J'aimerais suggérer qu'on le donne à Néné Ibijim. Il a énormément contribué à notre communauté. Et il n'y a presque pas de famille qui n'ait pas bénéficié de sa sagesse, ses connaissances et ses encouragements à nos jeunes en termes d'éducation. Donc moi je trouve qu'il est un bon candidat en ce qui me concerne. Merci. Ça, c'est très bien. J'étais sur le point de le suggérer. Oui. Sur ma lancée, un aîné est un illustre fils. Et il n'y a personne d'autre qui ait autant contribué en termes d'éducation, en termes de progrès, en termes d'encouragement, en termes d'autonomisation de nos jeunes et de nos enfants à se faire élever. C'est un secret de Poulet-Chinelle, donc je suggère, à moins d'une objection, qu'on lui confère le titre de notabilité pour le savoir gré et lui dire merci pour le bon boulot abattu. En fait, Odiofo, tu as énoncé une évidence. Sans aucun doute, Anéné, tu es surqualifié pour l'attribution du titre de notabilité. Mais tu sais, notre constitution stipule que la personne doit avoir un enfant mâle avant qu'on puisse lui conférer le titre de notabilité. Et dans ton cas, tu as un enfant femelle. Et on ne peut pas aller à l'encontre de la constitution sans vouloir t'offenser.
c'est totalement ridicule. Je le sais. Je n'ai jamais entendu que l'attribution du titre de notabilité dépend uniquement du fait d'avoir un enfant mâle. Ça n'a jamais été entendu dans aucune partie de notre communauté. Non. Je ne pense pas que ça ne dépende que du fait d'avoir un ou des enfants mâles. Je pense qu'il y a un relent politique derrière tout ça. Ça, c'est tellement injuste. J'y ai contribué mon quota pour cette communauté, plus que tous les membres de ce cabinet réunis. Mon ami, je le sais. La plupart ne pouvaient pas payer la pension scolaire de leurs enfants, mais j'ai laissé quand même ces enfants rester à l'école. Je le sais. Maintenant, ils sont diplômés. Et ils veulent m'enlever le privilège d'aller à Houston, au Texas. Non, mais dis-moi. L'indemnité que je recevrais de là-bas, aux États-Unis, ne serait-il pas réinvesti dans cette communauté? Et ils veulent me priver de cela. C'est terrible. Et les deux parcelles de terrain que j'aurai lorsque je serai de retour de là-bas. Oh, Dieu fort, ce n'est pas juste. Ah. Hein? Non. Calme-toi. Cet espoir n'est pas perdu. Non, Dieu fort. Parce que je n'ai pas mis au monde un garçon. C'est évident. Maintenant, ils veulent se débarrasser de moi. À cause de ça. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Si tu sais ce qui t'apporte des problèmes, ne le fais pas. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Tout espoir n'est pas perdu. Non. Tout espoir n'est pas perdu. Tout espoir est perdu. Je n'en ai plus. Suis-je sorti de la lignée de Sarah dans la Bible, qui a eu un enfant à 90 ans? Ah, ta femme a cet âge? Eh ben parce que ma femme est au-delà de l'âge de concevoir. Hein? Comment est-ce qu'il peut me refuser mon titre de notabilité, parce que je n'ai pas un enfant mâle. Au Dieu fort, ils ne me connaissent pas très bien. J'aurai ce titre de notabilité. Je m'en fous. Peu importe qui sera blessé. Tu as raison. On trouvera une solution. Ah, oh, quels gens méchants. Ils sont méchants. Mon mari, ta soudaine envie d'acquérir un titre de notabilité m'a fait un grand choc. Je suis surprise. Je suis premièrement un homme traditionnel, au-dessus de toute autre chose. J'espère que tu le sais. Mais tu n'as jamais assisté à aucun des conseils des anciens auparavant. D'où est-ce que tout ceci sort, soudainement? Le fait que je n'ai assisté à aucun conseil des anciens ne signifie pas que je n'ai pas envie d'acquérir un titre de notabilité. Mais, avec toutes mes œuvres dans cette communauté, ils n'ont pas les prérogatives de me refuser ce qui me revient de droit. Si tu veux mon avis, tu me sembles très désespéré. Je ne suis pas désespéré, mais les grands mots requiert très souvent de très grands moyens. Pour ta gouverne, j'irai rendre aux anciens une petite visite demain pour exprimer mon mécontentement. Ok, mais tu dois être très prudent avec ces gens. Ce sont des villageois. Ils ont vécu au village toute leur vie. S'il te plaît. Je ferai attention à eux. Mais j'irai à Houston, au Texas, l'an prochain avec le Igwe. Ça, c'est une certitude. Et je ne négocie avec personne. Est-ce que tu as soudainement oublié toutes les contributions que j'ai faites pour ce village? La plupart travaillent dans des ministères. Ils étaient incapables de payer la pension de leurs enfants. Tu es témoin, j'ai permis à leurs enfants d'aller au lycée. Maintenant qu'ils doivent décider de mon destin, ils deviennent ingrats. D'accord. Je ferai attention. Sans problème, mais j'irai à Houston au Texas avec le Igwe. Ok, Rami, qu'est-ce que tu me conseilles de faire?
Honnêtement, je sais que ça ne sera pas facile. Mais, as-tu perdu tout espoir des fêtes des bébés? Tu sais, ma femme n'a pas pu me faire un enfant quand on était plus jeune, donc... Attends. Que viens-tu de dire? Non, je voulais dire que lorsque nous étions encore très jeunes, avant que Yagazine ne vienne au monde, ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et présentement, à cet âge, je ne pense pas qu'elle soit capable d'enfanter. Alors, pourquoi ne pas prendre une deuxième femme? Non, une deuxième femme n'est pas une option. Tu sais très bien que je suis un intellectuel. Et nous faisons les choses de manière moderne. Et en plus, je ne veux pas du tout de division dans ma famille. Bon, dans ce cas, il ne restait que ta fille comme dernière alternative. Ma fille? Oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien me donner? Beaucoup. Maintenant, écoute, tu sais comment ça se passe dans notre culture. Si une jeune fille tombe enceinte en mariage, sans que la dot ou quoi que ce soit ait été donné pour elle, l'enfant de cette jeune fille appartient automatiquement à la famille. Alors pourquoi ne pas encourager Yagazi à aller dehors et tomber enceinte? Par chance, ça pourrait être un enfant mâle qui deviendra ton fils. Et si elle refuse ce plan? Et si elle refuse de faire partie de ce plan? N'est-elle pas ta fille? Alors force-la à accepter. Je te souviens de Chief Noake. Il a fait la même chose. Sa fille est tombée enceinte hors mariage et a accouché un garçon. Maintenant, il est digne père d'un garçon et un homme titré. Il a même voyagé à Houston, au Texas, l'année passée avec le roi. Et tu peux imaginer tous les avantages et privilèges qui lui sont donnés. Donc, tu peux faire pareil. Notre culture accepte cela. Ce n'est pas un tabou. Donc, fais-le. Donc, c'est mon conseil en tant qu'ami. Et c'est le meilleur que je puisse t'offrir. Pense-y. Oui, Udo. Dalo. Udo. Dalo, bienvenue, Anene. Je veux que tu mettes mon nom dans la liste de ceux qui auront le titre de notabilité. Oui. Je t'assure que d'ici août de l'année prochaine, ce sera le mois qui précède septembre. Le mois où on donne le titre de notabilité. J'aurai un fils. Bam. Oh. Qu'il te soit fait selon le désir de ton cœur. Amen. Amen. Il y a fort. Merci. Mouzo. Dis Mouzo. Laisse-les. Pourquoi t'assures-tu pas pour qu'on fonctionne une fauserie? On fait pas assez bon là aussi. Ai-je fait quelque chose qui t'a offensé? J'ai pas dit que tu as fait quelque chose. Ou alors je suis pas assez belle pour toi. Dis Mouzo. Luta. On continuera notre discussion en nouveau jour. Bon, au revoir. Au revoir. Juste comme ça. Tu ne m'invites même pas à venir te voir plus tard. Voyons, Lodana, moi je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas ça. Pourquoi tu passes ton temps à m'embarrasser? Qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Tu ne pouvais pas attendre que je termine ma causerie avec mon amour. Assieds-toi d'abord. Moi je n'aime pas ce genre de choses. Hein? Regarde comment tu me suis partout comme si j'avais attaché ton cordon ombilical sur mes pieds. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, maintenant dis-moi, je veux entendre ce qui ne pouvait pas attendre là. Vas-y, parle.
Zimozo, j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin de ton aide. Quelle aide? Tu te souviens de mon cousin dont je te parle toujours? Tchikoudé. C'est celui que tu m'avais dit qu'il... qu'il vend des trucs là-bas à... Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un business dans lequel il veut m'initier. Mmh. C'est un business d'huile rouge, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai besoin d'argent pour commencer. Je te promets qu'une fois que je fais ma première vente, je te promets que je te rembourse ton argent. Lotana, je n'ai pas d'argent. Lotana, je n'ai aucun argent nulle part. Le dernier argent que j'avais, je l'ai utilisé pour payer les frais d'examen de ma petite sœur. Donc je n'ai pas d'argent, tu vois. C'est pour ça que je voulais que tu me dises tout ça là-bas une fois. Toi, tu faisais que dire qu'il faut qu'on arrive à la maison. Maintenant, tu vois. Je te dis donc que je n'ai pas d'argent. Tu vois tes choses? C'est pas sérieux. Non, mais c'est terrible. Mais, Zimozo... Non, Lotana ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas, mon ami. Zimozo, ça veut dire quoi? Zimozo, c'est quoi, hein? Oublie la signification de ce nom, mec. Ce n'est qu'un nom. Zimozo ne veut rien dire du tout. Maintenant, tu veux faire comme si... C'est terrible. T'es en train de dire que je peux rien recevoir de ta part? Même si c'est petit. Comme tu me vois là, je t'assure que je n'ai absolument rien. Rien du tout. Même pas un copec. Tu penses que je te mentirais? Oublie la signification de Zimozo, mon ami. Oublie ça. Hein? Zimozo, c'était avant, mon ami. Ah. C'est terrible. Ah, ma chérie, on dirait que tu aimes l'ami de Zimozo, Lotana. J'ai vu la façon dont tu le regardes. Oui, je l'aime beaucoup. Mais lui ne m'aime pas. Ou alors, je ne suis pas son genre. Ou peut-être qu'il est timide. Timide? Mm-hmm. Un grand garçon comme ça, timide. Tu n'as pas vu la façon dont il te regardait? Moi? Jideka, tu n'es pas sérieuse. Il ne me connaît pas. Comment peut-il m'aimer? Ma chérie, il te regardait comme s'il voulait te déshabiller. Avec son regard. Si tu n'as pas vu ça, moi je l'ai bien vu. Jideka, tu n'es pas normal. S'il te plaît, prends tes ragots fondés et pars. Je ne te crois pas. Ah, tu ne me crois pas. Est-ce que tu m'as même déjà cru un jour? De toutes les façons, laissons tomber le sujet. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Donc, il était ici avec toi et tu dis qu'il me regardait. J'ai caché ma stérilité pendant trop longtemps. Si j'épouse une autre femme, mon secret sera découvert. Le seul moyen sera de faire que Yagazi tombe enceinte. Je dois trouver le moyen de le faire cela. Elle me doit bien ça. Papa, bonjour. Papa. 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 Yagazi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai remarqué que depuis quelque temps, tu as un comportement très bizarre. Que se passe-t-il? Oh. Rien que je ne puisse gérer. Donc, ne t'en fais pas. Tout va bien. Tu penses à quoi, papa? Hein? C'est bon. Papa, tu es sûr? Ça va.
Ne t'inquiète pas. Va seulement là où tu allais. Mais sérieux, papa, tu n'as pas l'air bien. Je vais bien. Vas-y, vas-y. Hmm? Vas-y. Hmm. Ok. Je vais bien. Je vais bien. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Papa est très distant ces derniers temps. Il reste dans son coin. Qu'est-ce qui le tracasse autant? Tu sais que ton père est un homme très calme. Et il a des sautes d'humeur qu'il doit gérer. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que peu importe ce que c'est pour le bien de la famille. Je l'espère vraiment. Parce qu'il me manque. Ça me manque de passer du bon temps avec lui. Regarde sa bouche. Il me manque. Fille à papa. Oui, maman, ça c'est bien vrai. Je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme vous. Maman, ce repas sera vraiment succulent. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour le cuisiner. Comment peux-tu être sûr que ce sera bon? J'ai acheté le nécessaire. Rien qu'une fois. Arrête ça. S'il te plaît, arrête. Maman. Je ne compte pas le faire. Mais tu ne sais même pas de quoi je parle. Si tu veux me parler d'un truc, parle d'autre chose. Arrête. Mais je ne suis pas pressée du tout. Ok, bon, c'est bon, c'est bon. Ce que je voulais dire en fait, c'est que. Viens, 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 viens. Non, mon fils, viens. Ne t'enfuis pas. Viens, viens, viens. Viens. Je ne mords pas. Viens, viens, viens. Ah. Yagazi. Papa. Qui est-ce? Papa, c'est mon ami. Il s'appelle Zimozo. Bon après-midi, monsieur. Oui, bonsoir. C'est celui qui t'apporte souvent la viande de brousse? Oui, monsieur. C'est bien moi, monsieur. Ah. Oui, monsieur. Ne t'enfuis pas. Je connais les valeurs de notre culture. C'est le respect. Hein? Et en plus, ma fille est une très bonne fille. Hein? Tu sais, c'est bien de savoir que tu es son ami. Hein? Merci, monsieur. Ok. Vous deux, la vie est trop courte. Alors, amusez-vous bien. Hein? Merci, monsieur. Je vais juste aller quelque part. Tu n'as pas besoin de rentrer très tôt. Restez, amuse-toi bien. Ok? Merci, monsieur. Yagazi? À ce soir, hein? Ok, amusez-vous bien. Merci, monsieur. Bonne route, monsieur. Ok, merci. Hey! Je n'y crois même pas. Hé, Yagazi, je rêve ou quoi? Tu as vu? Non, mais est-ce que tu as vu? Yagazi? Est-ce que tu as vu ça? Suis-je en train de rêver? Non, si je suis en train de rêver, dis-moi. Est-ce que tu as vu ce que je vois là? Le tout premier jour où ton père nous voit ensemble. Non, je suis sûr qu'il a déjà approuvé notre relation. Yagazi, mon cœur, s'il te plaît. S'il te plaît. Yagazi, je t'en prie. Permets-nous de mener cette relation à un autre niveau. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu ce que ton père a dit? Ton père a dit Yagazi. Ce qui veut dire qu'on peut continuer. Peu importe ce qu'on fait, on doit continuer. S'il te plaît. Yagazi, s'il te plaît. Yagazi. Yagazi, tu n'as pas entendu ce que ton père a dit? Yagazi. Bon après-midi, monsieur. Yagazi. Tu as compris ce que ton père a dit? Pourquoi tu veux jouer la têtue? Yagazi! Bon, dis-moi. Dis-moi que tu n'aimes pas les gros gibiers que je te ramène souvent ici à la maison. Si, je les aime. Tu ne me l'as jamais dit. Je te le dis tout le temps. Toi, hein? Hey, j'aime beaucoup ton t-shirt. Merci. Mon fils. Rien. Ah, tu bon es là. Monsieur. Bon après-midi. Papa. Ah, Yagazi, lui as-tu offert à boire? Non, papa, je vais lui en offrir.
maintenant. Ok, merci. Je sors. Est-ce que tu voudrais que je t'achète quelque chose? Non, papa. Je vais rester longtemps dehors. Parce que je vais assister à plusieurs réunions. Ok, papa. Hein? Ok. Ok, bye bye. Merci, monsieur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Hey! Yagazi, j'aime beaucoup ton père. Hey! Regarde un peu comment est-ce qu'il nous parlait. Moi, j'appelle ça être un papa androïde. Imagine un peu si c'était mon père. Devoir discuter avec une femme que tu ne comptes même pas épouser. Il va envoyer les éclairs et la foudre sur toi. En fait, la pluie va tomber. Hey! Regarde seulement sa façon de nous parler. Regarde sa façon de marcher. Tout ce qui le concerne est tout simplement bien. Regarde comment il est habillé. Très élégant. Non, tu es chanceuse. Yagazi. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'essayes-tu de faire? Rien du tout. Ne fais plus jamais ça, s'il te plaît. C'est entendu. Bon, va et apporte-moi ce que ton père a demandé que tu me serves. J'attends. Je patiente. Ne t'approche pas de moi comme ça. Je n'aime pas ça. Moi, j'attends à boire. Hey. Yagazi. Maman. 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 Il y a un truc dont je voudrais qu'on discute. Qu'y a-t-il? Maman, penses-tu que papa voudrait que je fasse des études supérieures? Oui. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Yagazi. Parce que j'ai l'impression qu'il voudrait me marier. Tu sais que certains papas pensent que l'éducation de la femme finit à la cuisine. Yagazi, jamais. Ton père n'adhère pas du tout à cette école de pensée. Ton père est un homme intellectuel. Un directeur en retraite. T'es au courant? Alors, pourquoi il n'est pas progressif avec moi? Il m'encourage chaque fois qu'il me voit avec un homme. Tu es sérieuse? Très sérieuse, maman. L'autre jour, il m'a demandé de servir à boire à Zimozo. Oui, un père qui est censé protéger sa fille des griffes des hommes. Ok, si tel est le cas, je lui parlerai. D'accord? Calme-toi, je vais lui parler. Ok, maman. Hey! Où on est, là? Quoi? Où on est, là? Donc, Zimozo, tu es en train de dire que le père de Yagazi a enfin approuvé votre relation. Comme tu entends là, c'est vrai. Laisse-moi tout te raconter. En fait, approuver est un mot trop faible. Je t'assure, la façon dont ce papa parlait, je t'assure que tu aurais été ébahi. C'était en fait comme s'il m'encourageait à sortir avec Yagazi, sa fille. Et a pris cadeau, je t'assure. C'est pas vrai, ça. Je te dis la vérité. Même quand il parlait ce jour-là, je t'assure que j'avais très peur. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je te connais. À un moment, sais-tu comment le papa a conclu son discours? Avant de partir, il a dit, Yagazi, ça va aller. Un peu comme si le Père Céleste disait, va mon en paix, mon fils. Ah, mon ami. Oh, la vie est belle, je t'assure. Quoi? Mon pote est amoureux. Mon frère. L'amour est une très belle chose. Je peux t'en assurer. Ma part doit me localiser. Amen, non. Voilà, si nous en maintenant que t'es de bonne humeur. Que dis-tu de l'argent dont je t'ai parlé quand je t'ai demandé un prêt? Lotana, j'ai l'impression que tu étais distrait le jour où je te disais que je n'ai pas du tout d'argent. Sérieux, je n'ai pas du tout d'argent. Je suis aussi pauvre que la monnaie du Malawi. Crois-moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai vraiment pas d'argent. Si j'avais de l'argent, tu allais le savoir. Si j'avais vraiment de l'argent, on ne serait pas ici en train de manger des arachides. Tu me connais très bien, mec. Changeons de sujet, mec. Changeons de sujet, je t'assure. Revenons à ce que je te racontais. Tu comprends? Oublie ça. Anéné, tu es un homme vraiment très mesquin et un grand manipulateur. Ne me... traite plus jamais de mesquin et de manipulateur. Je ne suis qu'un homme qui crée un chemin là où il n'y en a pas. Je ne te laisserai plus me manipuler jamais. Tu le fais depuis
plusieurs années déjà, tu as creusé un puits de douleur profond dans mon cœur. Regardez qui parle. Femme stérile. Tout ce que j'ai fait au fil de ces années, c'est toi qui m'y as poussé. Oui, tu l'as fait. Si tu m'avais donné un enfant, est-ce que j'allais faire tout ce que j'ai fait? Arrête de rejeter la faute sur moi, ce n'est pas juste. Le tort te reviendra toujours, et cela jusqu'à l'éternité. Femme stérile, qui a couché avec plusieurs hommes tout au long de ces années, et même sur notre lit conjugal? Oudora, ne permets pas que je me souvienne de toi. Si je le fais, tous les porcs et les truies du monde entier auront l'air plus propre comparé à ton passé. Alors ne t'avise plus jamais de me sermonner sur l'équité, la justice ou la droiture. Anéné, je n'arrive pas à croire que tu nourris encore de la rancune par rapport à mon passé. Les secrets du futur reposent sur le passé. N'importe quoi. Si Yagazier était notre fille biologique, détruirais-tu son avenir en l'utilisant comme un agneau sacrifié juste pour tes intérêts égoïstes? Ferais-tu ça? Odora, tu n'as pas de choix à faire ici. Ma décision est sans appel. Et laisse-moi te prévenir. Si tu essayes de jouer la plus maligne avec moi, j'ouvrirai la porte de ton passé. Je le jure devant Dieu. N'importe quoi. Alors comme ça, ces gens ne sont pas les parents biologiques de Yagazi. Oh, pauvre Yagazi. J'aimerais tellement qu'elle le sache. Dieu seul sait les plans diaboliques qu'ils ont prévus pour Yagazi. Ah, pauvre fille. Comment vais-je m'en sortir ici? Yagazi, je n'ai pas pu sauver ta défunte mère Chidalou. Et la culpabilité me dérange depuis tellement longtemps. Et maintenant toi, Yagazi, Dieu sait que je veux te sauver d'un aîné, mais je veux conserver mon foyer. Et quel est l'avenir d'une femme stérile si elle perd aussi son foyer? Hé, Yagazi, je suis tellement désolée. Chidalou, peu importe où tu es, sache que j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux pour sauver ta fille de ceci. J'ai fait de mon mieux pour sauver ta fille de ce terrible démon qui est Anéné. J'ai essayé. Njideka. Njideka, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as? Tu es triste depuis un bon moment déjà. C'est quoi le problème? Njideka, tu sais que tu peux toujours te confier à moi. Hein? Et si je te disais que tes parents ne sont pas tes parents biologiques? Je refuse, mets-le là, ça, mets-le là. Non, ça c'est mon tour, je ne peux pas tricher, non. Ah, ok, ok, c'est à moi maintenant.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu agis toujours comme si tu ne voyais pas ces flammes dans mes yeux? Chaque fois que je te regarde. Yagazie. J'ai des sentiments pour toi. Et je veux faire de toi ma femme. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de déclarer mon amour éternel pour toi. Yagazie. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Nous sommes tous seuls ici. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut continuer de jouer? Non, non, j'en ai plus envie. Non, terminons de... En plus, t'entendais... Je ne suis pas à l'aise. Non. Je ne te voulais pas de mal. S'il te plaît, continuons. Ok? S'il te plaît. Continuons de jouer. Je ne recommencerai plus. S'il te plaît. Ah. Papa a néné. Ah. Bon après-midi, monsieur. Mon fils, comment tu vas? Je vais bien, merci, monsieur. Le fait que tu demandes à me voir en privé, j'espère que tout va bien. Tout va bien, il n'y a absolument aucun problème. En fait, c'est au sujet de votre fille, Yagazie. Yagazie? Oui, monsieur. Y a-t-il un problème? Non, il n'y a pas du tout de problème, comme je vous l'ai dit. C'est juste que j'en ai vraiment marre de continuer à jouer à cache-cache. J'aime profondément votre fille, Yagazie. Bien, j'aime. Ma femme, avec votre permission. Tu voudrais faire quoi? Je veux l'épouser. Puisse le tonnerre qui vient des profondeurs du triangle de Bermude suer complètement ta virilité. Parce que je t'ai permis de te rapprocher de ma fille Yagazie. Maintenant tu parles de l'épouser. Si tu ne dégages pas de ma concession sur le champ, je vais couper ton sexe et le donner à bouffer au chien. C'est quoi ça? Non mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Hein? Je veux épouser. Je ne sais pas. Je constate que tu n'as fait aucun progrès depuis notre dernière discussion sur ce dont on a parlé. Est-ce parce que ça t'intéresse plus d'obtenir nos titres de notabilité? Ou quoi? Crois-moi, je suis toujours très intéressé. Mais... ma fille... s'avère être une noix dure à casser. Elle ne s'intéresse à aucun garçon. Elle ne s'intéresse à aucun garçon. On ne fera donc pas la manière forte. La méthode forte. La manière forte. Tout ce qu'on a à faire, c'est de garder l'œil sur elle. Tomber enceinte nécessite un timing. J'ai pu retracer son cycle menstruel. Alors, si on exécute bien notre plan demain et samedi, elle tombera enceinte? Je crois que oui. Bien, très bien. Merci. Merci. Hein? Merci. Ne t'en fais pas pour ça. Tout va bien se passer. Yagazie! Papa, tu m'as appelé? Oui. Va au domicile de Papa Ifoma. Il m'a dit qu'il avait un vin de palme spécial pour moi. Va le chercher. D'accord, papa.
Seigneur, pourquoi moi? J'ai juré de garder ma virginité pour mon mari. Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Pourquoi? Ça va aller. Seigneur, ça va aller. À quoi Dieu pensait-il? Pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Yagazier, Yagazier, ce n'est pas la fin de ta vie. Oui, c'est vraiment très malheureux et douloureux que cette tragédie te soit arrivée, mais tu ne vas pas te suicider à cause de ça. La vie continue, Yagazier. Sérieusement, tout ce que je souhaite maintenant, c'est mourir. Non. Oui, si seulement je pouvais mourir. Pour pouvoir partir de ce monde cruel qui transforme les êtres humains en monstres, qui cause le chaos dans la vie des autres. Jideka, ne connais-tu pas la honte qui accompagne le viol dans une communauté comme celle-ci? Je le sais, Yagazier, je le sais, mais une chose dont je suis sûre, c'est que la honte ne tue pas. D'accord? Crois-moi, tu es plus forte que ça, tu vas surmonter cela. Tu es plus forte que la douleur, Yagazier. Je ne connais pas grand-chose. Au moins, je sais que la honte... Tu es plus vite que le coup d'une lance ou d'une épée. Tu dis que je me sens si vide. Arrête. Je me sens détruite. Arrête, tu vas surmonter cela. S'il te plaît, arrête. Je ne peux pas garder le fruit d'un viol. Ce n'est même pas possible. Papa, ne me dis pas ça. Je ne peux pas le faire. Yagazier, tu ne peux pas avorter cet enfant. Notre communauté ne soutient pas l'avortement. Nos lois là-dessus sont sacro-saintes. Essayer de désobéir à la loi te mettra toi et le bébé en péril. Yagazier, s'il te plaît, écoute ton père. Je refuse. Il dit la vérité. Il ne faut pas transgresser les lois du village. J'ai compris. S'il te plaît, Yagazier. Non, je ne veux pas entendre cela. Non, je ne veux rien entendre, non. Yagazier. Va parler avec elle. Essaye de la convaincre, s'il te plaît. Wow.
Tu vois, Jideka, rien, non, dans cette vie n'est certain, sauf la mort. Je me sens sale. Je me sens franchement pire que tout. Cette nuit restera vraiment une nuit teintée de sang. Une nuit inoubliable. Maintenant, mon avenir est sombre. Tout ce que j'avais planifié pour moi n'est réduit à rien d'autre que le néant. Pourquoi Dieu permet-il que de telles choses arrivent? Pourquoi? Est-ce pour éprouver notre foi? Pourquoi? Je veux que tu saches, la vie n'est plus de notre pouvoir, mais l'amour. Simplement, essaye de te calmer. Oh, Seigneur, pourquoi? Ça va aller. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est un garçon, un joli garçon, Yagazié. Thank you.
Je voulais te demander, pourquoi l'as-tu appelé Chiteta? Non, ce n'est pas moi, c'est mon père. Et tu as accepté cela? Ah ah, ai-je le choix? Tu sais, ce ne sont pas toutes les filles qui accouchent hors mariage, qui ont le soutien de leurs parents et qui continuent de rester dans leur maison. Je suis contente qu'au moins, ils s'occupent encore de moi. Jideka, tu sais, quand j'accouchais Jiketam, je le détestais tellement. Je le détestais à cause des circonstances qui l'ont mené dans ma vie. Mais avec le temps passé, je suis tombée amoureuse de sa jolie frimousse rose, son merveilleux sourire. Tu vois comment il réagit à la douleur. Il est devenu une partie de moi. Mon être tout entier, en une personne. Ah, j'adore la façon dont tu aimes ton fils. Tu sais, je suis certaine qu'il sera important. C'est sûr. Il continuera où je me suis arrêtée. Tu as recommencé, Yagazi. Je t'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il n'est pas encore trop tard pour toi de recoller les morceaux de ta vie. Avoir un enfant hors mariage n'est pas une sentence de mort. Plusieurs femmes, là d'ailleurs, ont vécu la même chose mais s'en sont tirées. Maintenant, ma chérie, écoute, tu es encore jeune et tu vas accomplir tout ce que tu as rêvé et prévu de faire. D'accord? Yagazi, je t'ai déjà dit de ne pas exposer mon fils. Je n'aime pas ça. Et toi et ton ami Bavard devriez faire attention à ce dont vous parlez pour ne pas corrompre ses pensées innocentes. J'espère que tu as compris. Hey bébé, oh bébé, oh mon bébé, mon petit bébé. Yagazi, je t'ai déjà dit d'arrêter d'exposer mon fils et que tu as besoin de permission avant de sortir avec lui. Combien de fois est-ce que je vais le dire? Mais papa... Non mais... Ne me fais plus. Me répéter. Maintenant, tu es content d'avoir un enfant. Pourtant, tu voulais le tuer à cause de ton insensibilité. Et je vais te faire une promesse. Ce bébé ne t'appellera jamais maman. Je ne sais pas ce que j'ai fait à papa. Il me traite comme un paria. Depuis que j'ai donné naissance à Chiketam. Maman, suis-je la première personne à accoucher hors mariage? Pourquoi mon cas est-il différent? Pourquoi? Aujourd'hui, il m'a dit que Chiketam ne m'appellera jamais maman. Maman, maman, je ne me suis souillée avec personne. On m'a violée. Je sais. Je suis une victime des circonstances. Je n'ai jamais été dévergondée. Je ne l'étais pas. Je sais. Je sais. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est bon.
Anenia Ibezim, tu es un homme très méchant. Comment peux-tu dire des paroles si blessantes à ta propre fille? Elle n'est pas ma fille! Elle t'a donné le titre de père! Je m'en fous! J'ai eu d'elle ce que je voulais! Au dépens des autres personnes. Tu es maudit! Tu es maudit! Anenia, Dieu te punira. Et la seule chose que tu récolteras dans cette vie, c'est le fruit de ta méchanceté. Je t'assure. Regardez-moi une femme stérile qui me traite de méchant. Ce n'est plus l'époque où tu me traitais de stérile et je pleurais. Je ne pleure donc plus. Je préfère encore être une femme stérile au lieu d'être un homme méchant et manipulateur. Dieu te le rendra au centuple. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour tes propres intérêts égoïstes. Pas pour moi. Vraiment? Dieu te jugera. Il te jugera tellement que tu ne comprendras pas ce qui t'arrive dans cette vie. D'abord, tu m'as convaincu de prendre Yagazie à Chidalou. Deuxièmement, tu m'as convaincu d'accepter tes plans maléfiques de faire violer Yagazie. Et maintenant, tu veux lui enlever son fils. Tu ne réussiras pas. Tu es vraiment très méchant. Où est ta conscience? Où est ton sens de l'humanité? Tu me gifles. Tu vas me tuer aujourd'hui. Ibejine, tu vas me tuer aujourd'hui. Je te frappe. Tu vas me tuer. Oudan. Tu vas me tuer aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que je suis un enfant volé. Je dormais sous le même toit que mes ennemis. Ah! Seigneur, Amenée, je t'appelais papa. Je t'ai donné l'amour qu'une fille donne à son père. Mais qu'as-tu fait? Tu as tout organisé pour que je me fasse violer par un homme. Amenée, Dieu te punira. Je te le jure, Dieu te punira. Même si je meurs aujourd'hui, au moins je sais qu'il y a une personne qui m'aime. Mais Amenée, tu mourras dans les bras glacés de la solitude. Des herbes rempliront ta tombe. Tu mourras dans la solitude. Dieu te punira. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai fait tout ce que j'ai fait à cause de lui. Il m'a convaincue de faire tout ce que j'ai fait. Je suis tellement désolée. Maman, tu n'as rien fait de mal. Tout ce que tu m'as montré, c'est le véritable amour maternel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mais cet homme ne mérite pas, maman. Cet homme démon, il ne mérite pas. Il ne te mérite pas. Amen, et je te bénira. J'ai offensé quelqu'un. Moi? Offensé quelqu'un? Quand? Où? Comment?
Yagazier. Est-ce que tu sais que depuis qu'elle a accouché, même quand elle était encore enceinte, je l'évitais constamment. S'il te plaît, Lutana. Est-ce que je peux m'accompagner chez elle? Je veux juste la voir. Je ne sais pas pourquoi ma conscience me tourmente autant. Sérieux. Jamais. Je n'irai nulle part avec toi. T'accompagner voir Yagazier. Pourquoi? Étais-tu le responsable de la grossesse pour commencer? Jamais de la vie. Non. Alors pourquoi te tracasses autant pour un rien du tout? Lutana, arrête de dire ça. Souviens-toi qu'on raconte partout qu'elle a été violée. Et blablabla, elle ne l'a pas fait volontairement. Bref, allons chez elle, allons voir comment est-ce qu'elle va, c'est tout. Heureusement que t'as dit qu'on raconte que. Comment peux-tu être sûr qu'elle n'a pas aimé quand c'est arrivé? Ouais, parce que t'étais pas là. Lutana, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on se mette à la couvrir le reproche maintenant. Je comprends pas pourquoi tu le tracasses pour autant, pour un rien du tout. T'étais pas là quand elle est tombée enceinte d'un autre homme? Maintenant, tu veux que je t'accompagne chez elle pour aller voir l'enfant d'un autre homme? Lutana, s'il te plaît. Tu t'ennuies, c'est ça? S'il te plaît, je ne veux pas qu'on se mette à la couvrir de reproches. C'est juste que ma conscience me tourmente. Je veux juste la voir. Au moins voir le bébé qu'elle a accouché. Je veux juste que ma conscience soit libérée. Mais il faut que je la voie. Je t'en prie. Je suis déjà assez dérangé par ma conscience. Tu veux partir, pars. Lutana, s'il te plaît, tu es mon ami. Tu es mon ami d'enfance. Je veux juste que tu m'accompagnes jusqu'à chez elle, s'il te plaît. Sérieux, tu me déranges. S'il te plaît, je t'assure, je sais pas pourquoi je me sens comme ça. Je sais pas pourquoi je me sens ainsi. Tu ne peux pas imaginer comment je me sens. J'ai l'impression que j'avais offensé quelqu'un. Lutana, s'il te plaît. C'est moi ton ami. Est-ce que je t'empêche de partir? Si tu veux partir, pars. Laisse-moi tranquille. Alors tu voulais t'enfuir avec mon fils? Non, c'est mon fils. Il n'a pas du tout de père. De ce fait, il m'appartient. Tu n'es pas mon père. Sans moi, tu n'existerais jamais. J'ai dû payer quelqu'un pour qu'il couche avec ta mère pour t'avoir. Donc, naturellement, tu es entièrement à moi. Je suis comme une figure paternelle pour toi. Tu ne seras jamais une figure paternelle. Je te hais, je te hais tellement. Mon fils ne t'appellera jamais papa. Anne-Hélène, je t'en prie, tu l'as détaché. Pas tant qu'elle ne renonce pas à son fils. Jamais je ne renoncerai à mon fils. Jamais je ne le renierai. Tue-moi si tu veux. Qu'est-ce que tu attends? Tue-moi. Tue-moi. Quand mon fils grandira, il cherchera son père. Mais toi, tu ne seras jamais son père. C'est ainsi comme vous êtes là. S'il vous plaît, aidez-moi à supplier mon mari de libérer Yagazier. Pitié. Vous? C'est pas croyable. Dire que c'est toi qui as violé Yagazier? Lutana, quand es-tu devenu un violeur? Réponds-moi! Écoute, je suis désolé.
Je t'en prie, je suis vraiment désolé. J'avais besoin d'argent. Quand l'offre m'a été offerte par un ami, j'ai pas réfléchi deux fois. J'étais désespéré. Je suis vraiment désolé. Donc, tu veux dire que Chichetam est ton fils? Jamais! Tu comprends? C'est mon fils! Il n'est pas ton fils. Voilà son père. Maintenant, voyons comment tu obtiendras ce titre de notabilité pour lequel tu veux tuer tout le monde. Tu rêves! Tu rêves! Personne ne m'en empêchera! Hey. Je n'arrive pas à le croire. Papa, je te hais, je te hais. Je te hais tellement. Maman, non. Je n'arrive pas à le croire. Chiquetam. C-H-I-C-H-E-T-A-M. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Comment tu nous as retrouvés? S'il te plaît. S'il te plaît, ma fille. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce qui s'est passé. Je ne sais même pas ce que je peux dire, en fait. J'ai été cupide, j'ai été égoïste. J'ai été méchant. Si, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en supplie. Je t'en prie, s'il te plaît, pardonne-moi. Odora, pitié. Pitié. Ma fille, pitié. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai appris la leçon. J'ai appris ma leçon. Je suis un homme nouveau.
Je suis désolé. Maman, ça va aller. Ça ira, maman.